Salut Salam Shalom les gars, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai répondu à votre attente. J'ai été beaucoup à me demander. Il est présent, monsieur Nassim. Lui aussi il est content d'être là, parce qu'il veut sa revanche. Rappelez-vous là, le seum qu'il y avait sur la vidéo où j'ai affronté mes abonnés. Il est déter aujourd'hui parce qu'en plus je sais quel exercice il va faire et je sais qu'il a envie de me laver. Yannis, normalement t'es plus censé être sur ma chaîne parce que t'as perdu le défi contre Mousse. Donc je vois même pas ce que tu fais ici en fait. Tu peux partir. Merci. Qu'à tes copains. Au revoir. Je t'ai battu. D'accord. Au revoir. Aujourd'hui. Dégage. Aujourd'hui on se retrouve pour un défi contre Nassim. Il va choisir un défi. Il va choisir un défi. Le premier qui arrive à deux défis gagnés remporte la vidéo comme d'habitude. Est-ce que t'as une prédiction à faire? Parce que t'es si bon en prédiction. Non, en prédiction, moi ça y est, je parle plus à faire les vidéos. Je parle plus. On parlera en fin de vidéo alors, pas de soucis, donc on commence tout de suite les gars. Nassim contre moi, le plus fort de mes abonnés, je pense. S'il y a quelqu'un qui se sent plus fort que Nassim et qui veut venir me défier, c'est dans les commentaires. Voilà. Après, ah non, même pas, on va faire un truc simple. Celui qui pense pouvoir me défier, déjà qu'il vient me défier Nassim. Ensuite, si vous battez Nassim, vous venez me défier. D'accord? Donc si vous êtes sûr pour venir défier Nassim et ensuite me défier si vous battez, commentaire, vous dites pourquoi vous voulez défier Nassim et peut-être que je vous sélectionnerai. Bref, assez parlé, let's go, Nassim, boumé, c'est parti. C'est une merde, c'est parti. On va commencer par mon défi. Mon défi est simple, ça va être des reprises de volée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et ça devrait être temps, surtout que Nassim me réserve un petit défi où il n'y aura pas de frappe, je pense. Ou je risque de prendre un peu sale, ou il risque aussi de prendre un peu sale. Et je voulais remercier juste foot.fr, d'accord, la boutique foot.fr de m'avoir envoyé ce maillot. Il est sympa de votre part, il est archi lourd. Mais il commence à être un peu vieux maintenant, hein. Vous ne savez pas qu'il manque un truc ici? Ok, donc vous savez ce qu'il reste à faire. Let's go pour le défi. Putain de soleil. Voilà, et merci le rebond, et merci la parade. Des éclats de folie de temps en temps. Là. Ça va à droite à gauche, à droite à gauche, et d'un coup. Ah, n'oublie pas le top but. Stop, on fait une pause ici. À ce moment-là, je suis sur le point de perdre une caméra à 1200 euros. 1200 euros. Les gars, voilà. Je viens de me couper les couilles. Clairement, je viens de me couper les couilles. Une caméra à 1200 balles. Voilà, une caméra à 1200 balles. Qui se pète à cause d'un coup de vent. En fait, on continue. Il y a combien? T'as 12 frappes. Faisait de la merde. La caméra est tombée. C'est de la merde. Continuons sur de la merde. Allez, Yannis, il est marocain belge. J'ai rien dit, mais les circonstances font que, encore une fois, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, il y a toujours. Oh, deux même. Non, je peux rien. J'en ai deux. Il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a pas de coïncidence, genre. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On continue. C'est pas normal. Il y a plus de soleil. Il a dit rien. Oui! Ah! Il revient! Oh, le soleil revient! Ah, il est revenu le soleil! Ah, c'est le soleil! Il y a 7! Le soleil! Hein. Ah, le soleil! C'est le soleil! Quand il y a du soleil, on peut pas bien tirer! C'est ça, Nassim! Le soleil, c'est normal! Il faut attendre qu'il parte le soleil! Bon, après, le soleil il est tout bleu! Je sais pas quand est-ce qu'il va partir. Apparemment, il pouvait pas gagner parce que la caméra est tombée. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est un peu son origine qui l'a fait tomber. C'est pas toi qui l'a fait tomber, ton origine. You don't know the half of the abuse. Putain, est-ce qu'on avait un top but? Top but ou pas top but? Top but? Top but ou pas top but? Je sais pas, parce qu'il y en a pas assez, les abonnés. Non. Putain. Ça va, il est pas cassé celle-là. Donc là, comme par hasard, je marque un but, ta caméra retombe. C'est louche, hein. Comme par hasard, au moment où je marque, la caméra tombe. C'est très très louche. C'est pas normal. Oh là là. Il y a trop de maraboutage dans cette vidéo, je suis désolé. Mais il y a trop de maraboutage. C'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans cette vidéo.
elle passe pas loin celle-là. Elle passe vraiment pas loin. C'est clairement le moment de challenger. Hein. Si vous voulez venir m'affronter, venez, venez, venez tout de suite. Oh oui. C'est normal le but. Arrête, t'as vu le but, la main. Mais elle est trop finie en lucarne. Elle a fini en lucarne. Quoi? Vas-y, t'as vu tout ça. Hein? Merci. Salut. Donc le mec, il met 250 frappes, après il mord et il considère ça comme un top but. Le mec l'a dit, il y a deux cartes sur celle-là, mais attends, regardez le ralenti, il dit vraiment qu'il y a deux cartes, il est sérieux. Il n'y a pas de top but. De l'autre côté. De l'autre côté. Non mais... Non, non, mais... Donc il a logiquement changé de côté pour être encore plus naze. Ouais. Ouais. Il me fait quoi là Yanis? Ouf, ouf, ouf. Oh le pétard. Oh là là le pétard. Oh c'est là ce rentré avec oh, top bleu. C'est là le grand top bleu tu vois. Mais oh le pétard. Eh hey, il vient nulle part genre. Il vient nulle part. Eh hey, comparé la première fois qu'il a mise. Et la frappe qu'il vient de mettre, c'est un truc de ouf, gros pétard. Elle est oui. Oh, El Palado. El Palados. De Copianos. El Mexicano. De Yaniso. C'est ça la parade. C'est maintenant. Surtout que le deuxième défi, vu que c'est lui qui choisit, il risque de gagner. Faut pas que je perde ce défi là. C'est un truc de ouf, Yanis il veut tout me sortir. Yanis il veut tout me sortir, c'est un truc de ouf. Ariwa Shoshin Shomei no Jigoku de. Itsu no jidai mo yumo kakan na eiyu sama ga hanayaka na buyudan de hitaisha no itami no ue ni shika naritatanai. Shouri to yu na no zaika dake de senjou ni kibou nante joudan janai. Yes! Dernière! Et qu'est-ce que c'est sur la dernière? Oui! Attends, c'est bon. Premier qui marque les gars, le premier qui marque, t'es codé? Ah, voilà. Je suis un homme de pression les gars. J'aime la pression, j'aime quand il y a du drame, j'aime quand il y a une histoire. C'est ça que j'aime. Et là regardez, la remontada. Devant vous. Devant vos yeux ébahis. Je suis un homme de drame, un homme de charisme. Je suis meilleur sous la pression quand il y a de la tension dans l'air là. Tu sais cette petite tension, c'est ça que j'aime. Deuxième défi les gars. Nassim, je te laisse annoncer. Un contre un. Vous avez entendu? Un contre un. Assassinage. Ça va assassiner apparemment. Les gars, ça va casser les reins je pense. Let's go. Je laisse débuter Nassim. Grosse chance là, je la contre et elle rentre. C'est, je mets le pied mais je la dévie dans mes buts. C'est limite, c'est moi qui marque. C'est à mon tour.
Effectivement. Un but les gars seulement. Un but et c'est terminé. Oh gosh. Dernier passage. Égalité entre Nassim et moi. C'est maintenant que tout se joue. Les gars, encore une fois, merci vite. Un passage chacun. Le premier qui marque aura gagné. Allez les gars, faisons-nous ensemble, c'est le moment de gagner. Bon, je sais que vous voulez voir me perdre, comme d'habitude, mais c'est le moment de gagner pour moi. Viens dire que j'ai triché. Je t'entends pas, il y a du vent là. Ok. C'est quoi, une fois qu'il y a quoi là en fait? Là c'est bon là, quand même mes abonnés comprennent pas, c'est quoi là en fait? T'as gagné là. T'es gagné je crois hein. Je crois bien hein. Ah oui hein. Ah oui hein. Ah oui hein. Donc voilà les gars, j'ai pensé des défis. Fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Surtout, je vous le demande pas assez, n'hésitez pas à partager la vidéo à un maximum de monde sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Mentionnez-moi et vous inquiétez pas, je vais vous répondre. On parle ensemble, etc. Mais surtout, partagez un maximum de monde, comme ça ma chaîne pourra continuer à grandir. S'il y a quelqu'un qui pense pouvoir prendre le relais, il me dit ça en commentaire. Il vient ici, il joue contre Nassim. S'il me bat, s'il bat Nassim, il joue tout de suite après contre moi. Donc j'espère que vous avez kiffé ça, les gars. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, bonnes vacances. Peace.